20 août 2015, le National Hurricane Center a commencé à surveiller une onde tropicale sur l'Afrique de l'Ouest, près de la rive de l'Atlantique. Hey Amy, tu regardes quoi? Une émission sur la tempête Erika. Ça a l'air intéressant. Oh non! T'inquiète pas, on va trouver la suite. Direction la bibliothèque. Bonjour madame, est-ce que je pourrais vous emprunter ce journal, s'il vous plaît? Bien sûr, tiens, prends-le. Merci. Comment ça se forme une tempête alors? Attends, j'ai trouvé une vidéo qui l'explique, mais c'est anglais par contre. A temperature around 27 degrees and high humidity increase the chances of hurricane creation, and they will take more energy of the ocean. On the ocean surface, the air is hot and get colder during its ascent. It creates an air column with clouds around, creating a whirlwind. More is hot, more is strong. Et on peut faire quoi quand ça arrive? Comment on s'en protège? Bah regarde, il existe plusieurs solutions. La préalerte orange demande aux habitants de la Polynésie française de récupérer les enfants, faire des provisions, doubler les amarres, stocker en lieu sûr les produits inflammables. Alerte rouge, protégez votre maison, renforcez les ouvertures, rentrez des objets, vélos, poubelles, etc. Regroupez les objets de valeur, les papiers en cas d'évacuation. Et pendant le cyclone, ne sortez pas, coupez le courant, éteignez les flammes et coupez le gaz et écoutez les informations. Bref, on a appris plein de choses. On peut maintenant dire que les ouragans sont des événements climatiques extrêmes car ils regroupent des phénomènes climatiques qui provoquent des pluies, des rafales importantes de vent et dans certains cas de la neige et de la grêle. Oui, mais alors la tempête Erika, c'est un phénomène naturel, tu crois? Ou c'est lié au réchauffement climatique? La raison de ce réchauffement est le fait que les activités humaines libèrent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Alors, en ce qui concerne l'activité cyclonique, cela a trois effets. La température de l'air augmente, devient plus humide, et donc les pluies cycloniques sont plus étendues et plus intenses. Les océans se réchauffent, et donc les cyclones sont plus intenses. Les océans se dilatent, le niveau de la mer augmente, et donc les îles et les côtes sont menacées. Eh bien, dis donc, on en a appris des choses. Allez, c'est l'heure d'aller faire nos devoirs. Salut!